Et coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors faites pas attention à ma voix, qui n'est presque pas là. Je suis malade, voilà. Du coup, on va essayer de pas trop être longue, parce que de toute façon, plus je vais parler, moins j'aurai de voix. Voilà, donc on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine de février. Et le remplissage de la deuxième. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Voilà. Oui, que ça s'est bien passé. Et on va commencer tout de suite parce que je vais être à moitié perdue parce que je ne suis pas réveillée. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, plein de choses. Plein de choses. J'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, mais vous inquiétez pas les amis, ce sera fait. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Des choses cool, hein, vraiment. Hein. Donc, on a fait le dépôt. Je suis allée une première fois à Carrefour. Ensuite, avec une amie, nous sommes allés à Tout au marché. Oh non, je sais plus. C'est pas grave. J'en ai eu pour 17 euros. Et franchement, c'est... Ouais, c'est un magasin où les prix, ils défient toute concurrence. Donc, je pense y retourner cette semaine. Pardon. On a fêté mon anniversaire vendredi. Et donc, pour le repas, Marie a rajouté 10 euros pour les courses. Donc, nous sommes allés à Leclerc et j'en ai eu pour 50 euros 57 centimes. Voilà. Donc, il reste 7,86 euros. La plupart est partie dans les défis, hein, des 7,86 euros. Et en monnaie, qu'est-ce qu'on a en monnaie? C'est la monnaie de ça ou de ça? Bon, c'est pas très grave. De toute façon, en monnaie, il y a quoi? Il y a 40 centimes. Écoutez, ça ira dans le défi. Le défi d'or, et puis ça, eh ben, on va le mettre dans le pot pour faire le dépôt en banque. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien, on est bon. Je suis vraiment désolée pour ma voix, mais je ne peux rien y faire. J'ai enlevé toutes les notes, j'avais gardé toutes les notes. Mais ouais, franchement, ça valait vraiment le coup. Hein. Vous voyez, c'est des tout petits prix. Bon, 2 euros, 1 euro, 60 centimes. Ça valait vraiment le coup. Donc, oui, alors vous voyez 26 écrit, mais c'est parce que j'avais passé des articles, mais on m'a remboursé. Voilà. Bref, ça c'est bon. Après à Carrefour, bah, c'était rien de spectaculaire. Hein. Franchement, il n'y avait rien de... Voilà, c'était vraiment des petites courses, les courses basiques, quoi. Ouais. Et là, pareil à Leclerc. À Leclerc, c'est bien parce qu'il range par, par catégorie. Ça, c'est cool. Il y a seulement... C'est où? Voilà, entretien hygiène. J'avais pris le papier toilette, mais je l'ai déduit. Vous voyez, Leclerc, je l'ai déduit ici. Donc, tout va bien. Voilà pour les petites notes que j'avais gardées. Je les range comme ça, c'est fait. Hop, donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. Donc, on va faire le remplissage. J'ai pas préécrit, je suis désolée, mais on va aller plutôt vite. Oui, aujourd'hui, nous sommes lundi, je ne vous l'ai pas dit. Nous sommes lundi 13 février, pas janvier, parce que là, j'avais marqué janvier de partout. Hein. On va revenir faire le dépôt de 90 euros. Hop là. Je ne suis pas organisée du tout. Alors, vous verrez des billets de 5 un peu partout. Parce que, bah, vous vous souvenez... Alors, attendez. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Ok, on est bon. Bien sûr, je vais tout faire pour les garder. Hein. Bien évidemment. On va faire des courses. Mais si on peut les garder, on les gardera. Avec grand plaisir.
Parce que la semaine dernière, pardon, la semaine dernière, je vous avais parlé pour rembourser mon emprunt. Donc, j'ai appelé, je l'ai appelé, et il n'y a pas de frais en plus. Elle m'a dit, il n'y a pas de frais en plus. Là, le prélèvement de ma mensualité de février, elle est passée, donc elle l'a déduit. Et du coup, ben, elle m'a envoyé le papier avec la somme vraiment que je dois, sans frais en plus, pas de frais de dossier, pas de rien du tout, seulement la somme que je dois. Donc là, j'ai compté toutes mes petites enveloppes, j'ai tout transformé en billets de 50 quand j'ai pu. Voilà, parce que bon, j'allais pas déposer plein de billets. Oh, pardon, je suis tellement loin. Je ne sais pas pourquoi. Bref, j'allais pas. J'ai envie de garder mes billets de 5 si je peux les récupérer. Ce serait cool. Du coup, voilà, j'en ai dispatché un peu partout. Si on peut les garder, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai préparé l'enveloppe. Je vais la déposer là tout à l'heure à la banque. Normalement, c'est automatique. Hein. Dès que je fais un dépôt à la Société Générale, il apparaît direct. Et après ça, j'ai enregistré les coordonnées bancaires du centre de crédit sur mon compte en tant que bénéficiaire. Et comme ça, j'ai plus qu'à faire le virement dans la foulée. Et après, on n'en parle plus. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous payez maintenant. Et voilà, après, c'est terminé. En mars, il n'y aura plus les prélèvements. Donc, je suis vraiment trop contente. Et je le serai encore plus dès que j'aurai fait le remboursement. Je vais faire ça tout de suite après. Donc, voilà pour l'alimentation. Entretien, hygiène, je rajoute rien. Donc, à Carrefour, j'en ai eu pour 4 euros. Voilà. Et ensuite, à Leclerc, comme vous l'avez vu, 4,10 €. Donc, il reste 21,90 €. Bon, j'ai arrondi ou j'ai pas arrondi? Non, j'ai pris la petite monnaie. Parce que là, on a 10, 15, 20. Oui, parce que j'ai mis 2 euros dans le défi. Il me semble que c'est ça. Hein. Ou alors, il y a une pièce cachée là-dedans. Vous voyez une pièce, vous? Moi, j'en vois pas. Non, je l'ai mis, il me semble, dans le défi. J'ai mis les 2 euros. Je vais y arriver. Dans le défi de l'année. Je vous montrerai après. Voilà. Pour ça, donc ça c'est OK. Église. Bah écoutez, c'est parti. Joyeusement à l'église. Donc on va venir remettre 10 euros. J'espère pour vous ça va. Nous c'est encore les vacances. On est parti pour la deuxième semaine. Voilà, on en profite. On fait plein de choses. Et c'est vraiment sympa. Pour moi, il y a les 20 euros. Cadeau, bah c'est parti, ça y est, c'est bon. Je parle pas trop fort parce que les murs ont des oreilles, mais c'est tout bon. J'ai tout trouvé, tout ce qu'il fallait. Je suis ravie. Donc ouais, l'enveloppe, je peux même l'enlever. Je vais l'enlever. Ce sera fait. Mais oui, je vous en parlerai quand il ne sera pas là. Voilà. Les 5 euros, on espère qu'il y en aura. Hop, voilà pour celui-ci qui va retourner dans le sac. Hop. Donc ici, alors j'ai vidé l'enveloppe santé. École, non. École, je laisse. Voilà, parce que bon, voilà. Le fonds d'urgence, je l'ai enlevé. Là, rien. Hein, je n'ai pas fait de CB, donc il n'y a rien. Pour celui-ci aussi, on est bon. Pour le classeur du mois, c'est bon. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Alors, en février, qui est pour moi un mois à 4 semaines, voilà. Donc, pour les prélèvements, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu pas mal. J'espère que c'est pas flou hein, depuis tout à l'heure, mais normalement non. Donc il y en a eu pas mal, il y en a eu en plus. Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Hop.
Ici, je suis venue noter, hein. Voilà où nous en sommes pour le moment, de tous les prélèvements dans le détail avec les dates. Ça permet de bien voir le suivi. Hop. Et là, pour ce qui est du bilan, donc pour les courses en tout, j'en ai eu pour 82,14 €. Alors j'ai déduit les 10 euros de mon ami, parce que ça comptait pas dans mon budget personnel. Donc voilà. Entretien hygiène, 8,10 €. L'église, 10 euros. Santé, rien. Parce que je viendrai faire le décompte à la fin du mois. Voilà. Cadeau, les 60 euros. Et autres, il n'y a rien eu. Donc pour les dépenses de cette semaine, de cette première semaine de février, j'en ai eu pour 160,24 €. Voilà. Pour ce qui est des défis. Pardon. Alors, les défis, j'en ai fait un petit peu. Hop, donc pour le défi calendrier, il y a 100,50 €. Voilà. Le défi Bonne Saint-Valentin, il y a 100 €. Et je n'ai pas commencé le défi du bocal. Voilà, le bocal de l'amour, je ne l'ai pas commencé. Ça, je vais le garder pour mettre les petites pièces. Et pour le défi de l'année, donc pour rappel, celui-ci, il me servira pour le marché de Noël, voilà, à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait décembre. Donc là, on a décembre, janvier. Oui, c'est tout en billets de 5. Hein. Voilà. Et donc ici, j'ai mis 6,50 €. Voilà, j'essaye de le faire le plus rapidement celui-ci. Comme ça, il est fait et puis je peux tout mettre après dans mes plus gros défis. Parce que là, pour ce mois-ci, dans le défi 2, c'est 20 euros. Donc voilà pour ça. Alors, donc défi de l'année 6,50 €, défi calendrier 5,50 €, défi Saint-Valentin 5 €, le bocal de l'amour, rien du tout. Donc là, on va venir mettre pour cette première semaine tout ce que j'ai mis dans les défis. Donc ça fait 5, 10, 50, 11, 17. C'est ça. Écoutez, 17 euros, ce qui est pas mal, c'est bien. Je suis contente. Et en monnaie, eh ben, nous avons ici les 40 centimes. Que nous allons mettre tout de suite dans le défi. Le petit défi d'or. C'est le petit mois que j'ai fait. Donc là, vous voyez, hop, ici, là, c'est parti dans le remboursement de crédit. Comme ça, une fois que c'est remboursé, après, je viendrai, voilà, je continuerai semaine 6, semaine 7. Mais si j'ai un peu plus de sous, parce que je n'aurai plus cette enveloppe-là, remboursement-là, je l'aurai plus. Donc, je pourrais mieux remplir, je vais y arriver, mes défis. Donc, je rattraperai petit à petit. Je préfère faire ça maintenant, les amis. On est en début d'année. Donc, je préfère le rembourser et être tranquille tout le reste de mon année plutôt que d'attendre la fin de l'année, avoir encore 10 prélèvements à 70 euros alors qu'ils ne prennent pas 70 euros. J'ai calculé. Eux, ils prennent pour le remboursement 41 euros. Donc, ça fait, je vais leur offrir 30 euros tous les mois. Donc, c'est non. Voilà. Donc, je préfère faire ça. Déjà, là, au pire, j'ai quoi à rattraper? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ouais, au pire, voilà. Ça peut aller vite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et celui-ci, j'aimerais bien le faire. Mais avec les petites enveloppes de Emily Budget, je vais lui envoyer un petit message. Voilà. Et je vais lui dire, tu peux pas me faire des petites enveloppes là? Je l'ai écrit en plus. Hein, à refaire avec les enveloppes. Vous voyez? Je l'avais écrit il y a quelques semaines. Et je les trouve trop mignonnes, ces petites enveloppes. Je vais lui demander si elle est d'accord. Après, si elle ne peut pas. C'est pas très grave, hein, je comprendrai. Donc voilà, donc ça c'est parti. Ici, le défi pas à pas, on viendra le remplir
On verra, hein, au cours de la semaine prochaine ou la semaine d'après ou lors du bilan. Voilà, mais ça, j'ai pas touché le défi pas à pas. Il y a les 25 euros. Ah, d'ailleurs, je pourrais les changer en. Ouais, je pourrais les changer en billets de 5 euros. Hop, et donc pour le défi d'or, on a dit qu'il y avait 40 centimes. On va venir le cocher. Je vais vous poster la vidéo tout de suite là. Il est midi, il doit être midi à peu près, 11h30 midi. Donc, je vais l'uploader directement sur YouTube. Vous m'excuserez à ma voix, franchement, je suis malade depuis vraiment. Mais. Ouais, un peu moins d'une semaine, mais bon. Donc, nous sommes le 13-02, bilan S1. Oh là là, mon 4, il est tremblotant, hein. 6,60 euros. Ok. Donc lui, comme vous le voyez, il n'a pas d'objectif. Parce qu'à la base, je voulais m'en servir pour m'offrir mon mot terme. Le gros mot terme A5. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc celui-ci, je pense que il me servira pour. Ben, je sais pas. Voilà. Je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je ne veux pas réfléchir à ça. Mon cerveau n'est pas apte à y réfléchir. Donc ici, pour les défis 5 euros, j'ai enlevé 200 euros. Donc il va falloir que je vienne effacer. Donc on a bien les 55 euros. Voilà. Et ici, ben, j'ai tout enlevé. Il y avait 361 euros. Voilà. Donc j'ai tout enlevé. Je vais venir tout effacer tranquillement. Donc, ben normalement, écoutez les amis, on est bon. Hop là. Donc pour cette semaine numéro 1 de février, j'ai mis en épargne, en économie, pardon, 17,40 euros. Voilà. Je vais venir mettre les petites pièces, l'appareil, je vais pouvoir changer. Avec un billet de 5 euros. Voilà, je vais venir changer, mettre les petites pièces là-dedans. Et voilà. Ben écoutez, les amis, normalement, je vous ai tout raconté. Je vous ai tout dit. Je suis vraiment contente pour l'emprunt. Je vous dis, ouais, dès que j'ai appelé, elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de frais. J'étais vraiment contente. Parce que bon, je m'attendais quand même à des frais et tout. Donc, je vais faire ça. Avec joie et bonheur. Et comme ça, en mars, eh ben, il n'y aura plus le prêt. Il y aura 70 euros en plus. Et ça, c'est juste trop cool. Donc voilà. Bah écoutez les amis, moi je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Je vais prendre le temps petit à petit de répondre à tous vos petits commentaires trop gentils, trop mignons. Merci beaucoup. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, bah, faites-le. C'est vrai que je le dis jamais, hein, mais parce que, ben, écoutez, chacun fait ce qui lui plaît. Si vous aimez bien mes vidéos, vous vous abonnez. Sinon, c'est pas grave. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!